Tu veux du pain? Tu veux du pain? Bonjour Elisabeth. Et coucou Sabrina. Aujourd'hui, on vous présente une petite vidéo sur les robots. Ah oui, super, la petite vidéo sur les robots. J'adore les robots. Toi, Oh! Sabrina, tu aimes les robots? Oh non, 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 je n'aime pas les robots, Elisabeth. Je déteste les robots. Pourquoi? Pourquoi? Oh, Sabrina, pourquoi tu détestes les robots? Parce que, Elisabeth, parce que un robot n'est pas un humain. Non, Sabrina, un robot n'est pas un humain, mais un robot aide les humains. Un robot n'a pas d'humanité. Un robot n'a pas d'émotion. Un robot n'a pas de sentiment. Un robot n'a pas de cœur. Un robot n'a pas de cerveau. Un robot n'a pas d'empathie. Oh Sabrina, regarde, un robot n'a pas d'empathie, je suis d'accord. Un robot n'a pas de cerveau, mais un robot aide les personnes. Regarde, regarde, ça c'est un robot émotionnel, thérapeutique. Il a une réaction aux actions de la personne. La personne touche le robot et le robot signale son émotion. Si le Et robot aime le toucher, le robot signale son émotion. Si le robot n'aime pas le toucher, le robot signale son émotion. Mais Elisabeth, le robot n'est pas spontané. Un humain est spontané. Un robot n'est pas spontané. Et Elisabeth, un robot nécessite beaucoup de réparations. Un robot nécessite beaucoup de maintenance. Les robots coûtent cher. Oh Sabrina, les personnes aussi nécessitent beaucoup de réparations. Les personnes aussi nécessitent beaucoup de maintenance. Les personnes aussi coûtent cher. Oui, Oui, mais oui. Et regarde, Sabrina, les robots sont précis. Les robots aident les personnes pour la chirurgie. Le robot est précis. Le robot est stable. Le robot ne tremble pas. Le robot aide en médecine, en chirurgie. Ok. Le robot
a beaucoup de précision. Le robot a beaucoup de perfection. Mais, Elisabeth, je ne veux pas d'une société avec beaucoup de perfection, avec beaucoup de précision. Je ne veux pas d'une société avec beaucoup de robots. J'ai peur des robots. Je ne veux pas que les robots me surveillent. J'ai peur de la surveillance. Sabrina, Sabrina, tu es paranoïaque. Tu as peur des robots. Tu as peur de la surveillance. Moi, je dis merci, les robots. Merci pour la surveillance. Je ne fais pas confiance aux robots. Non, 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 Elisabeth, je ne fais pas confiance aux robots. Je fais confiance aux humains. Les robots aident avec la protection, Sabrina. La protection ou la surveillance? La protection, Sabrina, tu es parano. Peut-être, c'est possible, mais je préfère une société sans robots. Une société sans robots est une société plus humaine, plus empathique. Une société sans robots est une société qui n'évolue pas. C'est une société sans évolution. Elisabeth, tu ne comprends pas mon opinion, je pense. Sabrina, c'est toi qui ne comprends pas mon opinion. Ah, ok, alors, ce n'est pas important. On pense différemment et c'est notre humanité, Elisabeth. Toi et moi, nous sommes humaines. Nous ne sommes pas des robots. C'est vrai, Sabrina. Je suis heureuse que toi et moi, nous ne soyons pas des robots. Nous avons un cerveau, pas un cerveau électrique. Merci de cette conversation, Elisabeth. Merci Sabrina. À bientôt. Ah oui, à bientôt. Si vous aimez notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui, mettez-nous un like et un petit commentaire sympathique. Merci.